Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner du nouveau avec Hamster Combat. Hamster Combat casse les papeaux, nous dit la réalité et la vérité de ce qui se passe dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Pour certaines personnes, ils n'ont pas compris ce message d'Hamster Combat. Tu vas comprendre ça grâce à cette analyse. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Comme vous avez remarqué, nous sommes toujours à l'afflux de l'information. Quand il y a une nouvelle, quelque chose qui tombe, nous sommes toujours présents et répondre. Voilà quelqu'un qui dit, Hamster Combat a fait une publication sur leur canal. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Et nous avons répondu, je prépare une vidéo sur ça un instant. Il y a quelqu'un qui dit, oui, vous êtes vraiment un professionnel et un actif. Le tweet n'a même pas encore fait une heure de temps, ça se concernant notre projet, donc le projet Monorix. Donc, ça prouve combien de fois nous sommes engagés. Donc, quand tu t'abonnes ici, tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Tu seras toujours informé et tu auras toujours les analyses pointues que tu auras besoin de savoir. Donc, pourquoi ne pas t'abonner à ces chaînes et activer la clochette de notification, toutes les notifications. Parce que YouTube n'envoie pas aussi toutes les notifications. Et abonne-toi à notre channel Telegram parce que YouTube n'envoie pas aussi les notifications. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est quoi? C'est de t'abonner à notre channel Telegram afin de pouvoir être informé même si YouTube ne t'envoie pas de notifications. Donc, les gars, appréciez le travail qui se fait derrière derrière l'équipe de cliquer pour gagner. Au même moment où nous sommes en train de parler d'Hamster Combat, je tiens à te dire une chose. Est-ce que tu as vu l'information qui a passé dans le site de cliquer pour gagner? Est-ce que tu l'as vu? Si tu ne l'as pas vu, mon frère, va, cours vite pour la regarder. Quelle est cette information-là? L'information concernant la SEC et Ripple. Donc, on a fait un article un peu plus détaillé. Notre équipe a fait un article un peu plus détaillé pour te faire comprendre l'enjeu derrière ce combat de la SEC et de Ripple. Donc, va lire l'article sur le site cliquezpourgagner.com, partie blog, et tu vas voir l'enjeu derrière une grande victoire pour le Ripple et quel impact cela aura dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Les gars, ne négligeons pas le Ripple. Ne négligeons pas le Ripple, d'accord? Alors donc, on continue lentement et sûrement la vidéo. Oui, Hamster Combat. Hamster Combat, comme vous le voyez, n'a pas fait un tweet. D'accord? Donc, notre ami qui, voilà, ici, qui disait, non, qu'il y a un tweet qui est sorti, ce n'est pas un tweet, c'est, pour le moment, ils n'ont pas encore mis ça sur tweet, mais ils sont en train de nous dire simplement, bon, c'est une publication, d'accord? Le gars dit merci. Donc, on est en train de faire la vidéo, parce que beaucoup de personnes veulent comprendre, veulent savoir ce qui se passe réellement. Alors, analysons ce message, les gars. Quand j'ai lu ce message, j'ai compris réellement l'enjeu derrière le projet Hamster Combat. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo. D'accord? Alors, commençons. On dit Hamster Combat se manifeste, dit la vérité à ses joueurs. Il dit simplement ceci. Cher CEO, d'accord, les responsables, depuis notre croissance, depuis leur croissance en quelque sorte et leur explosion, ils ont reçu de nombreuses offres, les offres d'investissement. Oui, vous savez, il y a certaines personnes dans notre écosystème qui sont comme cela. Eux, ils ne parlent pas beaucoup, mais c'est leur argent qui parle à leur place. Donc, quand ils voient qu'un projet fait du succès, qu'est-ce qu'ils font? Ils se décident de mettre l'argent dans l'écosystème. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se décident de mettre l'argent dans l'écosystème. D'accord? Et donc, quand ils mettent l'argent dans l'écosystème, ils attendent quelque chose en retour. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils attendent quelque chose en retour. Et ce retour-là, c'est quoi? Non, Hamster Combat, bravo. Hamster Combat a cassé les papous. Non, je suis sérieux avec vous. Le projet Hamster Combat, non, franchement, bravo. Parce que si tu comprends réellement des crypto-monnaies, ce qu'Hamster Combat est en train de dire là, c'est puissant. Si je vais détailler ça là, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais on va rester ici. Oh, tu penses qu'on va là que pas? On va détailler ça point à point pour que tu puisses comprendre. Donc, il y a certaines personnes, ils ne parlent pas. Ils voient les projets qu'ils prennent et ils décrivent directement à ces projets-là pour demander à ces projets-là. Nous avons $1 milliard à investir avec vous. Alors, si vous voulez, donnez-nous une quantité de votre token et avant même le lancement et quand ça sort directement, nous on serait les premiers à vendre pour faire les bénéfices. Donc, Hamster Combat nous dit qu'ils ont reçu plusieurs offres de certaines grosses sociétés.
de capital de risque dans le secteur du web 3.0. Il y en a plein, il y en a, ces sociétés sont pleines. Donc, Amstor Combat dit, elle a reçu des propositions. Parce que quand on dit, Amstor Combat a plus de 300 millions d'utilisateurs. Donc, qui ne veut pas utiliser les utilisateurs? Tout le monde, même Amstor Combat nous utilise. Mais de la façon dont ils nous utilisent, c'est plus judicieux que si réellement ils avaient accepté les fonds de ces investisseurs-là, de ces grandes sociétés-là. Mais je ne crois pas aussi que Amstor Combat a refusé toutes les offres. C'est faux. Amstor Combat aussi ment. Il ment. Allons-y. Eux-mêmes, ils ont créé le projet pourquoi? Eux-mêmes, ils ont créé le projet en début pour créer une famille. D'accord? Et c'est ce qu'ils ont réussi. Et en second, pour se faire aussi de l'argent. Disons la vérité. Donc, ils ont reçu une proposition. Une proposition. Donc, alors, je continue lentement et sûrement la vidéo pour toi parce que l'analyse, elle est très importante. Il dit simplement, nous avons refusé. Ils ont refusé chaque offre qu'ils ont reçue de la part de ces sociétés-là. À ce jour, Amstor Combat n'a aucun investisseur externe. Écoutez. À ce jour, Amstor Combat, ici, n'a aucun investisseur externe. Donc, ça là, eux-mêmes, ils ont mis ça en grand caractère. Je vais vous analyser ça. Donne le j'aime à la vidéo. Donne le j'aime à la vidéo. Merci pour ton j'aime. Merci. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail des titans que nous sommes en train de faire. Ces rats d'inflation feront ce que nous sommes en train de faire. Alors donc, même il y a certaines personnes qui regardent nos vidéos, même pour faire les vidéos sur nos vidéos. Parce qu'ils écoutent l'analyse. Nous, nos analyses, c'est l'expérience acquise. Hein? Comme on dit souvent, l'expérience fait toute la différence. Alors, Amstor Combat dit, ils n'ont pas accepté les offres et à ce jour, ils n'ont pas d'investisseurs externes. Donc, ça veut dire qu'ils ont des investisseurs internes. Tu as compris? C'est pourquoi il dit Amstor Combat ment. Ça dit, ils n'ont pas d'investisseurs qui sont en dehors de Amstor Combat. Tous les investisseurs qu'ils ont sont dans Amstor eux-mêmes Combat. Donc, ça veut dire que si tu veux être investisseur dans Amstor Combat, ne sois pas externe, mais sois interne. Tu comprends, non? Je continue mon analyse. Tu vois comment l'analyse est pointue? En avançant seulement. Il dit, mais pourquoi vous demandez ça? Pourquoi ils sont en train de nous dire ça? Ils sont en train de dire ça parce qu'ils disent, avant tout, ils veulent valoriser leurs joueurs. Ça, j'apprécie. Bravo. Avant tout, Amstor Combat veut valoriser ses joueurs. Et ces joueurs-là, hein, ils ne veulent pas que ces joueurs-là soient déçus. Donc, bien plus qu'ils veulent valoriser les joueurs, bien plus que n'importe quel investisseur. Bien plus que n'importe quel investisseur. Donc, ça veut dire que les investisseurs externes ont été refusés, mais les investisseurs internes ont été acceptés. Mais les investisseurs internes doivent comprendre que les joueurs sont plus importants que eux-mêmes qui sont des investisseurs internes. Et souvent, les investisseurs internes sont les mêmes joueurs que nous sommes. Ça veut dire que tu es un investisseur de Amstor Combat sans le savoir. En suivant le réseau, en regardant les vidéos, en faisant tout cela, donc en interagissant avec le réseau, tu es aussi un investisseur, mais qui n'a pas mis son argent, mais qui a mis son temps, sa connexion Internet. Donc, alors je continue dans ton la vidéo pour que tu puisses comprendre. On dit, la seule façon, la manière la plus simple, selon Amstor Combat, d'avoir des Amstor Combat, c'est de l'acheter dans les mains des joueurs. Et il nous dit simplement, les joueurs auront 60% de tous les Amstor Combat qui seront en circulation. Donc, et les 40% restants, ils disent que c'est pour assumer la liquidité. D'accord? C'est pour faire les partenariats. Oh, pour faire les partenariats, il faut les gens externes aussi, pas moi. Donc, les 40%, j'ai dit, ils mentent. Ils disent la vérité à quelque part, mais je doute aussi sur certaines choses. Alors, donc, je continue, dit pour assurer la liquidité, pour faire ça, alors on continue. Ils disent, cette approche garantit à chaque joueur, la chance, quelle que soit d'une manière d'être riche. Donc, il dit, dans ce combat, tout le monde peut gagner. Et en fin de compte, nous gagnons tous ensemble. Oui, ils ont été clairs. En fin de compte, tout le monde gagne. D'accord? Ils disent, aussi, il dit le deuxième point, trop de projets web 3.0 créent de l'audience uniquement pour utiliser leur audience comme liquidité et sortir au niveau des bailleurs. Et c'est vrai, ils ont raison. Donc, l'audience est créée, ils utilisent l'audience là pour vendre afin d'avoir les investisseurs, les fonds d'investisseurs pour, ils disent que c'est malheureux que ça devienne la norme dans l'industrie. Et c'est vrai.
Au lieu de créer les projets, M. Combat dit, au lieu de créer des projets innovants qui gèrent la valeur et les revenus réels des entreprises, souvent, souvent sur des arguments concrets pour avoir des financements. Donc, M. Combat aussi cherche des financements, mais elles ne veulent pas utiliser ces utilisateurs. M. Combat, disons la vérité. Vous nous utilisez, nous savons que nous sommes en train d'être utilisés, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous aussi, nous sommes là, mais laissez-nous aussi manger. Donc, eux disent simplement qu'ils invitent les fondateurs à se concentrer sur, pour bâtir quelque chose de concret, afin que ceux qui sont en train de bâtir avec la communauté. Ils disent ici, ça c'est quelque chose de très important. Ils disent, construisons. Construisons pour notre communauté ici. Construisons pour notre communauté et non pas pour les investisseurs. Qui sont les investisseurs? C'est la communauté. Donc, de grande de force, ils finiront par construire pour les investisseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que toi qui me regardes, tu dis non, je gagne ce combat gratuitement. C'est pas gratuit. Rien n'est gratuit dans la vie. Même la montre, elle a besoin d'une pile pour fonctionner. Et la pile, elle s'achète. Tu as compris, non? Donc, on doit construire la communauté. Effectivement, on doit en quelque sorte construire pour la communauté et non pour les investisseurs. Certains projets se construisent pour les investisseurs, certes, mais certains comme Amsterdam Combat se construisent pour la communauté. Et il dit simplement que si la seule façon d'acheter le jeton Amsterdam Combat, vous devez vous rendre sur un échangeur. Et si les joueurs se décident de vendre, c'est là-bas les investisseurs vont acheter. Et c'est une bonne stratégie aussi. Parce que les investisseurs externes, qui ne sont pas encore internes, vont vouloir avoir des jetons HMSTR. Donc, ils vont, Amsterdam Combat veut utiliser ces investisseurs-là aussi pour donner la liquidité. Parce qu'imaginez, eux, ils veulent le jeton. Mais Amsterdam Combat dit, non, nous, on ne va pas vous vendre ça. Peut-être qu'ils ont vendu ça, les 40%, ils vont donner à certaines personnes, sûrement, qui sont internes. Mais ceux qui sont externes, ils ont tellement de demandes. Ça veut dire que la demande derrière le jeton, ce combat serait forte. Donc, il y a des gens qui veulent le jeton. C'est ce que ce combat veut nous faire. Il y a des gens qui veulent ce jeton-là. Donc, ils leur diront simplement que pour avoir uniquement ce jeton-là, vous devez aller sur les échangeurs pour acheter. Et vous allez acheter si et seulement si l'équipe, en quelque sorte, si et seulement si l'équipe du... les joueurs se décident de vendre. Et Amsterdam m'a dit, non, vous savez, nous avons déjà des acheteurs. Mais ces acheteurs veulent acheter dans notre main. Mais on ne veut pas. On veut qu'ils achètent dans vos mains, dans les mains de vous, les utilisateurs. Et en fait, ça montre combien de fois c'est vraiment intéressant avec le projet Amsterdam Combat. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'analyse que je suis en train de faire. Je pense que l'analyse est déjà trop pointue pour toi. Je vais continuer tout à l'heure dans le groupe VIP. Pour ceux qui ont cliqué sur le troisième lien, qui sont dans le groupe VIP, de cliquer pour gagner, vous allez avoir la suite de l'information. On se dit à la prochaine vidéo et restez scotché sur la chaîne. Cliquez pour gagner pour la suite des vidéos comme celle-ci. Merci.